joueur de tennis retraité Roger Federer est revenu à Wimbledon cette année en tant que spectateur aux côtés de la princesse de Galles. L'octuple champion de Wimbledon s'est confié sur le fait d'être assis dans la Royal Box avec son Altesse Royale dans une interview accordée au New York Times. « C'était très fun d'être assis à côté de la princesse Catherine », a-t-il déclaré. « Je la connais assez bien. C'est une grande fan de tennis et elle joue elle-même. » Roger Federer a ajouté, « Parfois, il faut faire attention à ne pas trop parler. On peut parler, puis c'est super calme, et ensuite il faut applaudir. » La princesse a été rejointe dans la loge royale par l'ex-champion de tennis et son épouse Mirka Federer le deuxième jour des championnats de Wimbledon le mois dernier. Après le match, le joueur de tennis Andy Murray a déclaré qu'il était extraordinaire que Roger Federer soit présent pour soutenir l'événement. « C'était incroyable d'avoir des membres de la famille royale ici. Mais aussi des membres de la famille royale du tennis », a déclaré le joueur écossais. Avant Wimbledon cette année, la princesse de Galles et Roger Federer se sont affrontés lors d'un match amical dans un court-métrage qui célébrait les ramasseurs de balles de Wimbledon. La princesse, âgée de 41 ans, est une habituée des tournois du Grand Chelem, auquel elle a assisté presque chaque année depuis son mariage avec le prince William en 2011. En 2016, la reine Elisabeth a nommé Kate protectrice du Hall England Lawn Tennis and Croquet Club.